Le milieu de terrain franco-algérien, Yacine Adli, s'est exprimé une nouvelle fois sur son choix international entre la France et l'Algérie. Malgré un parcours en club qui semble stagner, Adli reste déterminé. Le choix d'Adli a suscité de vives réactions, tant en France qu'en Algérie. Le milieu de terrain a déjà exprimé clairement son désir de jouer pour l'équipe de France, une décision qu'il a confirmée récemment, lors d'une conférence de presse lors de sa présentation avec son nouveau club, la Fiorentina. Interrogé par un journaliste, le milieu de terrain franco-algérien a déclaré « J'ai déjà répondu à cette question. Je veux montrer que je peux être performant de manière constante à un haut niveau. Si je réussis bien sur le terrain, j'aurai aussi de la place pour être vu par Deschamps. La Fiorentina d'abord, puis moi, je peux penser à l'équipe nationale. » La décision d'Adli de privilégier la France s'explique par le fait qu'il souhaite évoluer au plus haut niveau possible. Bien qu'il ait été approché par l'Algérie, il a souligné que les discussions avec l'ancien sélectionneur algérien, Jamel Belmadi, n'avaient pas abouti. Adli a déclaré que son choix était motivé par son ambition de jouer dans une équipe compétitive, ce qui, selon lui, est plus réalisable avec la France.